Voilà, donc en tout cas, là, je sais que maintenant, avec des PSD, je pourrais les ouvrir dans Photoshop et modifier les réglages par des calques de réglages. Et ça ne me posera pas de problème dans InDesign. Alors, on va étudier les objets ancrés, un système très intéressant dans InDesign pour faire des catalogues. C'est à peu près le même principe que les images ancrées dans le flux du texte, comme on a ici, sauf que ça va être sur le côté du texte. Et ce n'est pas seulement des images, ça pourrait être également être du texte. Alors dans la palette des calques, je verrouille tous les calques, sauf le calque texte et images dans le flux. Donc vous avez les images ancrées dans le texte. C'est ce qu'on a fait précédemment. Là, je pense que ça n'a plus de secret pour vous. On va maintenant sur des pages qui n'ont pas encore d'image. Par exemple, chez moi, la page 56, il n'y a pas encore d'image dedans. Comme ça va être encore plus clair. Vous allez insérer des objets ancrés. Vous positionnez le curseur texte quelque part dans le texte et vous allez demander clic droit objet ancré inséré ou alors menu objet en haut de l'écran objet ancré inséré. En tout cas, voilà, on insère dans le flux du texte, à un endroit du texte, vous avez, ben, j'ai mis ça au début d'une phrase, quand même pas au milieu d'un mot. Vous voyez? J'ai quand même mon curseur qui est au début d'une phrase. Objet ancré, inséré. Vous avez cette boîte qui apparaît. Alors, pas besoin d'explication, c'est évident. Non, je rigole. Vous cliquez sur OK et on regarde ce qui se passe. Voilà, vous avez un objet qui est apparu là dans le texte. On peut lui donner une couleur si on veut, on le verra mieux. Vous le voyez? Bien. Je vais donner également une couleur au bloc texte. Voilà, le bloc texte est en vert. L'objet ancré, je l'ai mis en orangé ici.